Bonjour et bienvenue pour ce Self Leadership Mastery, votre émission de développement personnel qui a lieu tous les mercredis de 12h45 heure de Paris à 13h45. Donc, c'est vraiment votre émission dédiée à votre transformation personnelle et professionnelle. Je suis Farida Akhadiri et donc j'anime avec grand plaisir chaque semaine cette émission. Donc, exceptionnellement, pendant la période estivale du mois de juillet, les horaires seront décalé. Donc, à partir de la semaine prochaine, notez bien, la semaine prochaine, pendant les 5 prochaines semaines, ce sera 18h45 de Paris, puisque là, à mon tour, je serai côté en Amérique du Nord. Donc, bon, ben voilà, avec le changement, c'était un petit peu compliqué. Donc, voilà, notez bien pour les 5 prochaines semaines, 18h45 de Paris. Et puis, ben, au mois d'août, ça reprend normalement. Donc voilà, comme ça, voilà, il n'y aura pas de surprise. De toute façon, vous avez accès au replay s'il y a quoi que ce soit. Donc, comme chaque semaine, nous abordons des thématiques différentes pour vous permettre d'avancer vraiment dans votre vie personnelle, professionnelle. Et moi, c'est ça qui m'anime. Ces dernières années, quand j'ai décidé vraiment de me dédier au coaching, à l'accompagnement et à permettre aux gens non seulement de prendre conscience de leur potentiel, mais surtout d'être capable de se mettre en mouvement pour atteindre leurs objectifs, ben, je me suis rendu compte que finalement, aujourd'hui, ce qui faisait la différence, ce n'était pas tellement l'accès à l'information, parce qu'aujourd'hui, l'information, tout le monde peut y avoir accès, mais c'était le manque de système et c'était aussi cette capacité à faire la différence, à faire le tri dans toute cette information qu'on recevait. Donc, vraiment, chaque semaine, c'est de vous donner des informations, d'aller un peu plus loin, de vous partager des perspectives qui vont vous permettre d'être beaucoup plus efficace dans votre développement personnel. Parce que tout le monde aujourd'hui fait du développement personnel, j'ai envie de dire, entre tous les magazines, psychologie et compagnie, les sites internet, les blogs, les chaînes YouTube. Donc, j'ai envie de dire, à un moment donné ou à un autre, on parle tous de développement personnel d'une manière ou d'une autre. Mais ce qui vous va vous différencier, et c'est ça qui est important, c'est de vous dire, voilà, est-ce que vous voulez juste faire partie de ces personnes qui en font un effet de mode ou vous voulez vraiment avoir des résultats concrets et pérennes dans votre vie? Parce que c'est vraiment ça, en fait. Pour moi, c'est le seul enjeu, c'est de se dire, voilà, tout ce que vous faites, c'est bien beau de lire des livres, d'aller à la FNAC, de participer à des conférences, mais est-ce que vous avez les résultats que vous voulez aujourd'hui? Et quand vous êtes confronté, quand vous êtes challengé, est-ce que vous savez comment en sortir? C'est ça le plus important. Tout le reste, pour moi, c'est du blabla. Et donc là, chaque semaine, vous avez cette opportunité, notamment de poser vos questions, d'interagir, de me dire, voilà, quelles sont les difficultés que vous rencontrez. Et voilà, je vous apporte des solutions. Donc ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, bah, pour ceux qui sont prêts à aller plus loin, bah, j'ai mis en place tout un système qui vous permet non seulement de travailler dessus, mais de l'implémenter, que ça fasse partie de vous, de votre quotidien. Parce que je vous jure, quand le développement personnel ne devient plus une matière, entre guillemets, hein, que vous travaillez, mais devient un style de vie, votre vie change. La façon dont vous vivez change. Vous vous sentez beaucoup plus vivant, vous vous sentez beaucoup plus au contact des choses, de ce qui se passe en vous et à l'extérieur de vous. Et j'ai envie de dire, c'est ça le cadeau. Non pas, je vais jamais vous garantir que vous n'aurez plus jamais de problème dans votre vie ou de challenge, non. Mais par contre, la manière dont vous allez réagir à ça va être totalement différente. Et donc, c'est pour ça que nous sommes là chaque semaine. Vous avez la possibilité de réécouter. C'est pour ça que donc tous les Self Leadership Mastery sont enregistrés. Vous pouvez les retrouver sur Facebook, mais aussi de partager ça autour de vous. Parce que je pense que plus on sera nombreux à être dans cette dynamique, on n'a pas besoin d'avoir 7 milliards d'êtres humains en train de faire du développement personnel. Mais si on a une communauté de leaders conscients qui sont dans cette dynamique, on va changer le monde. C'est ça qui est important, c'est de se dire, parce que vous, quand vous changez votre famille. Combien d'entre vous, vous êtes maman aujourd'hui et vous m'avez écrit, mais waouh, depuis que je fais ça, depuis que je suis dans cette démarche-là, j'ai changé, mais ma famille a changé. J'ai pas eu à leur dire quoi faire ou quoi que ce soit. Mon énergie a eu un impact positif sur eux et par mes actes, je suis devenue un exemple, un modèle qu'ils ont commencé à suivre. Et c'est ça l'enjeu. Donc, il y a peut-être parmi vous, parmi vos amis, des personnes qui font partie de cette communauté de leaders conscients.
et qui ont juste envie de se retrouver parmi nous, de pouvoir partager, de se développer. Et donc, c'est pour ça que je vous invite chaque semaine à partager sur votre journal Facebook le replay, d'accord? Et c'est l'opportunité aussi pour vous de recevoir le PDF du Self Leadership Mastery. Donc, chaque semaine, comme on voit énormément de choses, certains d'entre vous, vous êtes en pause déjeuner, vous êtes avec votre téléphone, vous êtes en voiture, donc vous n'avez pas forcément le temps de prendre des notes. Mais donc, en recevant le PDF, ça vous permet vraiment de revenir dessus. Alors, petite chose que j'ai remarqué cette semaine, d'accord, et je suis vraiment ravie de voir que ces transcriptions vous aident. Pensez à mettre des petites citations, d'accord. Je me rappellerai toujours, un jour, je reçois une newsletter d'une ancienne cliente et tout, et je dis, mais c'est bizarre, ça me parle. Et je commence à lire et je reconnais exactement mon texte. Et je me dis, c'est pas possible. Donc, je vais retrouver une de mes anciennes newsletters. Je les ai toutes faites. Et je dis, mais elle a copié mot pour mot. Et je vais sur son site internet, sur son blog, et je vois qu'elle avait pris, copié-collé, mais littéralement, elle s'est même pas fatiguée à changer quelque chose. Et je lui dis, OK. Et je l'ai appelée en lui demandant, mais qu'est-ce que tu fais? Mais au moins, elle dit, oui, mais voilà, je trouvais que c'était intéressant. Oui, c'est intéressant et je t'en remercie. Mais citer, d'accord? C'est bien, vous mettez des petites citations, des petits guillemets, Farida Kadiri, ça me fait plaisir. Ou vous mettez le hashtag Self Leadership Mastery, mais c'est important aussi. Donc, c'est important parce que je reconnais, hein, même si, regardez, je n'ai que... Voilà ma feuille de notes. Donc, je n'ai pas écrit grand-chose. J'ai juste des bullet points pour partager. Mais à un moment donné, voilà, je reconnais mon énergie, je reconnais la vibe dans laquelle je vis. Donc, surtout quand j'utilise des termes bien spécifiques. Donc, c'est totalement OK de partager toutes les pépites que vous apprenez. Pensez juste à me citer. Ça me fera plaisir. OK? Et donc, pour ceux qui ont, je sais que certains d'entre vous, vos paramètres Facebook sont privés, etc. Donc, mon assistante ne peut pas le voir. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de nous envoyer chaque semaine. Vous prenez la photo, la copie écran de votre partage vidéo. Hein, il faut, c'est important, c'est la vidéo que vous partagez. Vous l'envoyez à mon assistante à support@faridakadiri.com et comme ça, elle pourra vous envoyer la transcription. Donc, chaque fois, on fait d'une semaine sur l'autre. Donc celui d'aujourd'hui, vous ne l'aurez que la semaine prochaine. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Vous allez recevoir encore plein de vidéos, surtout cet été, puisque je vais faire pas mal de voyages et je vais faire pas mal d'interviews. Donc, je vous encourage à en profiter. Et enfin, pour finir, voilà, j'ai mis en place un petit sondage il y a quelques semaines pour justement bien comprendre, voilà, quels sont vos besoins. C'est totalement anonyme, mais moi, ça me permet vraiment de savoir ce dont vous avez besoin. Là, je suis en train de préparer la saison de la rentrée. Hein, je pense que la dernière semaine de septembre, nous allons faire la prochaine masterclass « Laisse rayonner ta confiance ». 26 et 27 octobre, il y aura les Lily Days. Donc, tout ça, j'ai envie de les faire, mais il faut toujours que ça répondre à vos besoins. Donc, quand vous prenez quelques minutes pour répondre à ce sondage, moi, ça me permet de m'ajuster. Donc, à vous de jouer. Tout à l'heure, ça prend 5 minutes. Faites-le si ce n'est pas encore fait. Alors, comment sortir de la victimisation? Est-ce que dans votre entourage, vous reconnaissez, ça peut être des personnes de votre entourage ou vous-même, des personnes qui ont un peu tendance à se poser en victime? Dites-moi un petit peu. Oui, je sais, je garde mes lunettes, mais bon, pour les habitués, vous imaginez ce qui se passe en ce moment. Mais voilà, je garde le sourire et je me suis dit, bah, c'est pas grave, vous allez m'avoir en vidéo avec mes lunettes de soleil alors que je suis dans mon bureau, mais c'est très bien. Quand on est inspiré, on est copié. Quand on inspire, on est copié. Ouais, je sais. Mais l'idée, c'est pas ça qui est important. Mais comme mon objectif aussi, c'est de pouvoir toucher le maximum de personnes, bah, si les personnes savent que ce sont des informations, des concepts, des idées que vous avez appris à travers les Self Leadership Mastery, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vouloir vous suivre. Ils vont vouloir vous suivre vous-même. Et là, maintenant, ils savent comment le faire.
Et on a grandi ensemble, la communauté. Donc oui, l'entourage qui remet toujours la faute sur autrui. Très bien. Donc on a tous autour de nous des victimes. Nous-mêmes avons été victimes au moins une fois. Après, c'est comment on réagit. Et donc effectivement, aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'aborder cette thématique avec vous, puisque hein, l'idée, c'est que voilà, vous êtes des leaders conscients, que vous avez conscience que vous avez un potentiel à exprimer, que vous êtes destiné à de grandes choses, que vous avez une mission de vie à faire. Et donc, c'est pas du tout compatible avec une position de victime. Sauf que c'est très facile de se retrouver dans cette posture de victime. Même moi, encore ce week-end, c'est un peu le déclencheur où je me suis dit, mais voilà, mais c'est bon, quoi, qu'est-ce qui se passe? Et puis, cette maladie chronique qui revient encore et encore et encore. Et là, je me suis rendu compte que je me victimisais, en fait. Et donc, ça ne peut pas fonctionner. Je ne peux pas avancer en étant une victime. Donc, revenons aux bases, d'accord? Donc, j'ai regardé, j'ai pris le dictionnaire, merci Google. Définition de victime. Une personne qui est sacrifiée ou qui se sacrifie, d'accord? Une victime, c'est une personne qui souffre du fait de quelqu'un, qui subit la méchanceté, l'injustice, la haine de quelqu'un, une personne qui subit les conséquences fâcheuses, funestes de quelque chose, des événements, des agissements d'autrui. Donc, potentiellement, on a tous vécu des situations où on a souffert de quelque chose, d'un système, d'une personne, on a souffert d'injustice, de méchanceté, de haine, d'accord? On subit des événements. Autre définition, une personne qui subit les conséquences fâcheuses de ses actes, de sa propre nature, de ses propres passions. On peut être notre victime de nous-mêmes, en fait. On appelle de ça aussi être victime de son succès, hein, ça peut arriver. Une personne qui est sacrifiée ou qui se sacrifie à une cause, à un idéal, à un intérêt supérieur. Donc, une personne soumise à des vexations, à de l'hostilité, réelle ou supposée. Donc, pourquoi ces définitions? Pour vraiment nous mettre le doigt dessus. Qu'est-ce que c'est, en fait? Que vous soyez capable de reconnaître quand vous êtes dans cette posture. Parce qu'avant tout, ce qui est important, c'est vous. Que vous soyez capable de reconnaître quand vous vous posez en victime. Et donc, victimisation, c'est le fait de faire de soi une victime, s'offrir comme victime, se transformer en victime. Donc, comment reconnaît-on qu'on se pose en victime? Trois éléments. Le premier, et ça pour certains, quand je suis en séance de coaching, que ce soit en séance de prospection ou en séance de travail, je vous écoute parler, en fait. Clé numéro un pour savoir si vous vous posez en victime, écoutez-vous parler. Qu'est-ce que vous dites? Ah, oh, mais c'est la faute de... C'est à cause de... Non, mais tu Farida, mais tu comprends, c'est pas de ma faute, c'est la cause de lui, mais c'est de la faute de mes parents, ils m'ont élevé comme ci, comme ça. Et donc, on met la faute à l'extérieur de soi. On trouve un bouc émissaire et on se pose en victime. Donc, écoutez-vous parler et vous allez voir qui vous avez tendance à prendre comme bouc émissaire. Premier élément. Deuxième élément, identifiez les excuses et les justifications que vous utilisez quand vous échouez, quand les choses ne se passent pas comme prévu, quand vous n'avez pas les résultats que vous voulez, quand vous vous sentez challengé, en difficulté. Quelles sont les excuses et les justifications que vous utilisez? Ça, c'est vraiment important, en fait. Parce que quand vous dites « Ah, oh, mais je n'avais pas le temps de le faire, non, mais tu comprends, mais j'étais malade, etc. » Ok, tiens, ça me montre que je me pose en victime. Là, on est vraiment dans des subtilités, dans des niveaux de subtilité, mais comme je vous ai dit, on est là pour le mastery. Vous êtes là pour vous maîtriser, pour maîtriser l'art du self-leadership, pour vraiment développer votre leadership personnel. Et je ne vais pas m'amuser à vous donner juste des informations que vous pouvez trouver partout. Donc voilà, donc c'est commencer à voir toutes les excuses que vous utilisez, les justifications que vous utilisez qui vont justifier votre état de santé, vos relations, votre business, votre carrière, vos finances, tout ça en fait.
Et je vous assure, quand on fait l'exercice, on se rend compte que ah bah finalement, je suis plus souvent victime qu'autre chose. D'accord? Et troisième élément, observez vos émotions. Observez vos émotions. Reconnaissez quand vous avez tendance, voilà, est-ce que vous avez tendance à vous sentir impuissant, impuissante? Est-ce que vous avez ce sentiment de que c'est une fatalité, que voilà, vous êtes toujours dans cette fatalité? Ou est-ce que vous avez cette sensation, ce besoin à chaque fois, ce désir de trouver un coupable? Ça, c'est important. Donc, est-ce que ces trois éléments, déjà, ça vous permet de voir comment vous pouvez reconnaître chaque fois que vous vous posez en victime? Parce qu'on observe facilement chez les autres. D'accord? Mais sur soi, c'est autre chose. Et là, le plus important, c'est que quand vous vous changez, les autres autour de vous peuvent changer. Alors, c'est pas ma faute, c'est toujours le début de la phrase. Oui, exactement. Ou c'est à cause de lui, tu comprends? Plus facile de s'attribuer ses succès que ses échecs. La déresponsabilisation. En mon sens, une partie de ce comportement vient de l'enseignement à l'école, mais c'est un autre débat. Bah, pas tant que ça, parce qu'on va en parler tout de suite, ma chère Augustine. Donc, effectivement. Donc, deuxième étape, finalement, qu'est-ce qui nous pousse à nous victimiser? Et là, le premier pour moi, j'ai pas mis l'éducation, l'école, mais vraiment la société de manière générale, de la manière dont elle est structurée, organisée, bah, elle crée le fameux triangle de Cartman, la victime, le bourreau ou le persécuteur et le sauveur. Il n'y a pas de victime sans bourreau. Rappelez-vous, une victime, c'est une personne qui subit la méchanceté, la haine, tous les éléments de quelqu'un ou des événements ou de circonstances. Donc, s'il y a une victime, il y a forcément un bourreau. Et s'il y a un bourreau, il y aura une victime. Et il nous faut un sauveur. Donc, quand on voit comment la société est construite et comment on fait les choses, qu'est-ce qui se passe? On a les méchants, ce sont les bourreaux, les persécuteurs, d'accord? Les gentils, ben, ce sont les pauvres victimes. Et après, vous pouvez prendre tous les schémas que vous voulez. Et ensuite, ben, on va avoir un sauveur, le justicier, ça peut être l'État, ça peut être autre chose. Mais c'est dans cette culture-là, en fait. Regardez les avocats, ils sont en permanence dans ce triangle de Cartman. Et je sais qu'on a des avocates parmi nous, mais c'est ça en fait. Il y a une victime, il y a un bourreau et la justice est là pour jouer le rôle de sauveur. Et attention, je ne dis pas que ça n'a pas sa place, mais là je parle de vous en termes de leadership personnel. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous en fait? Parce que ce n'est pas, comment dire, vous pouvez avoir accès à des dommages et intérêts sans vous poser en victime. Moi, là, ce dont je parle, c'est vraiment quelle énergie vous mettez dedans. Attention, hein, parce que sinon, je sais qu'avec ce sujet-là, on peut aller sur tout et n'importe quoi. Mais déjà, c'est pour vous montrer comment la société est structurée, paramétrée pour nous faire vivre ce triangle de Cartman où on a le bourreau, la victime et le sauveur. Et tant qu'on joue avec ça, bah, qu'est-ce qui se passe? On l'entretient. Et vous ne pouvez pas sortir d'un système que vous continuez d'entretenir et d'alimenter. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Donc, prendre conscience de ça. Chaque fois, écoutez la télé. Oh voilà, on a eu telle victime. Et puis les grands patrons, ce sont les méchants. Et puis ils ont fait ça. Et puis on a les syndicats. Moi, ce qui est important pour moi, c'est pas de savoir qui a tort ou qui a raison. C'est comment on positionne chacun dans un rôle. Un rôle de victime, un rôle de bourreau, un rôle de sauveur. Est-ce que vous voyez la nuance? Ouh, je vois qu'il y a les débats là. Alors, dites-moi tout. Dites-moi tout, dites-moi tout. Je ne suis pas totalement d'accord. Je trouve que parfois, on met plus d'attente dans l'école
que ce qu'on doit en attendre. C'est ma mère, par exemple, qui m'a appris à être responsable et non pas mes profs. Je suis entièrement d'accord. C'est que certains parents, en fait, pensent que l'école va éduquer leurs enfants. Mais j'ai envie de dire, aujourd'hui, si vous attendez juste l'école pour ça, mais non, non. C'est vous en tant que... Et c'est toute la notion de responsabilité et de déresponsabilisation. C'est... OK, certes, l'école est un cadre et apporte certaines choses, mais si vous voulez vous dire, voilà, je veux garantir que mes enfants vont avoir une bonne éducation, c'est à vous en tant que parent de vous impliquer. Parce qu'il y a des choses que l'école ne va pas transmettre. L'école, voilà, elle ne va pas connaître les spécificités, les besoins de vos enfants. Ils sont là, je vois les parents qui militent pour réduire le nombre d'élèves dans des classes, mais vous doutez bien qu'un enseignant, un professeur ne peut pas gérer 30 élèves en même temps et pouvoir lui donner tout ce dont il a besoin. Donc, c'est le rôle des parents, en fait. Et je suis entièrement d'accord. Aha, donc voilà, donc le système de scolaire a sa part de responsabilisation. Donc vous voyez que c'est facile de se mettre en victime du système scolaire. Mais rassurez-vous, tout à l'heure, je vais vous partager 7 clés pour savoir comment sortir de ce schéma-là. Parce que au final, c'est ça. Parce que là, quand on est sur ce débat-là, vous voyez comment c'est subtil, hein? On est en train de voir qui est le coupable. C'est le parent, c'est l'école, le système scolaire, l'éducation. Donc vous voyez que finalement, cette notion de victimisation, elle prend plusieurs formes et elle arrive très subtilement. Et donc l'idée, c'est ça en fait, c'est de sortir de ce schéma-là, de sortir de ce schéma-là. Donc, deuxième élément, donc je vous ai dit, qu'est-ce qui nous pousse à nous victimiser? Ben, c'est déjà la manière dont la société est construite. Deuxièmement, c'est l'inconscient collectif. Et donc, regardez, donc on voit les premiers débats. Et pour ceux qui ne sont pas sur Facebook, enfin, pour ceux qui sont sur Facebook et qui ne sont pas sur Zoom, ben vraiment, je vous encourage à vous connecter sur Zoom parce que vous allez pouvoir interagir également. Mais voilà, regardez tout ce qu'on entend, tout ce qu'on écoute. On reconnaît les victimes, d'accord? Et regardez comment c'est très facile aussi de tomber dans ce... dans ce concours de victimes, vous rentrez à la maison, oh là là, mais ma journée, qu'est-ce qu'elle était pénible, attends, non, mais t'as pas entendu la mienne et tout, mon collègue, il a fait ci, mon patron, il a fait ça, pourquoi? Parce que quand on est une victime, on est écouté, on est entendu, on est reconnu. Donc, regardez, rappelez-vous, hein, pour ceux qui ont, je sais plus, on avait fait un des SAF Leadership Mastery, on a parlé des besoins. La personne qui va voir un besoin d'appartenance, un besoin de reconnaissance, un besoin d'originalité, c'est très facile de se positionner en victime parce que tout d'un coup, on a accès à ça. On a accès à l'intérêt, on a accès à l'affection, on a accès à la reconnaissance parce qu'on écoute les victimes. Donc, inconsciemment, on a été programmé dessus, donc les gens vont se positionner comme ça. Donc, pourquoi je vous dis ça? Pour que vous preniez conscience de comment l'inconscient collectif joue sur vous, sur vos pensées, sur vos schémas de fonctionnement. Et quand vous avez conscience de ça, vous allez pouvoir en sortir. D'accord? Donc, si vous voyez que vous avez tendance à rentrer à la maison et que vous voulez jouer au concours de victime avec votre conjoint ou avec vos enfants, vous faites « Ok, stop, annule, annule. Comment je reformule ?» Et on verra ça tout à l'heure. Et dernier élément, c'est la peur de prendre ses responsabilités. Tout à l'heure, on parlait de responsabilisation et de déresponsabilisation. Qu'est-ce qui nous pousse à nous victimiser ? C'est la peur de prendre nos responsabilités. Pourquoi ? Parce que déjà, on ne nous a pas appris. On ne nous a pas appris. On ne nous apprend pas ça à l'école. À l'école, ça va être plutôt le schéma de victime bourreau sauveur. Et si à la maison, on ne nous apprend pas ça non plus, ben, qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas faire. Donc, c'est difficile de demander à quelqu'un de se positionner d'une certaine manière alors qu'il ne sait même pas que c'est possible et que ça existe. Cette notion de responsabilité, je l'ai appris très tardivement, il y a juste quelques années.
Et inconsciemment, j'étais, et je vous l'ai dit encore, même ce week-end, je me suis dit, bah, tiens, Farida, tu joues ta victime là. Oui, pourquoi? Parce que c'est fun, parce que, mais c'est fun entre guillemets, mais voilà, ça nous permet d'avoir de la compassion, de ceci, de sentir plus soutenu ou pas. Et donc, certains même vont surenchérir dans la victimisation parce qu'au premier niveau, ils n'ont pas l'affection qu'ils veulent, ils n'ont pas la reconnaissance qu'ils veulent. Donc, il y a des mécanismes d'auto-sabotage qui s'enclenchent pour pouvoir arriver à un certain haut niveau de victimisation pour que là, il y ait un sauveur qui se déclenche. Mais ça ne peut pas fonctionner. Et ça, on en parle dans mon cours, Les 7 pépites de leadership. Je parle justement de sortir de cette illusion du sauveur. Mais si vous restez dans l'illusion d'être sauvé, c'est que vous restez toujours dans l'illusion d'être la victime. Donc, est-ce que maintenant vous arrivez à identifier par rapport à vous-même les fois où vous avez joué à la victime consciemment ou inconsciemment pour obtenir quelque chose? Maintenant que vous avez cette clarté, comme ça me laisse quelques secondes pour lire vos commentaires. Ouh là là, mais je vois que c'est chaud, chaud, chaud! L'école, c'est le savoir-vivre en société, tolérance, partage. C'est pas aux professeurs de faire l'éducation des enfants. Les valeurs, c'est les parents qui responsabilisent avec les conséquences de chaque acte. Les parents attendent trop de l'école. Parole de professeur. Il y a trop de bambins par classe. Ah ben, je vois qu'aujourd'hui, vous êtes déchaînés. Faut montrer ce SLM à nos enfants. Mais j'ai encore mieux, Augustine. Transmets ça à tes enfants. Et c'est ça en fait. C'est notre rôle aussi. Moi, je me rappellerai toujours, j'étais aux États-Unis pour un séminaire de développement personnel et j'ai vu cette gamine. Elle avait quoi? 10, 11 ans à l'époque. Elle venait au séminaire de développement personnel avec ses parents. Et elle avait une confiance en elle, mais j'étais là, mais t'es sérieuse toi? Moi, à 10 ans, mais j'étais à milieu de ce type de préoccupation. Donc, si vous avez envie de développer des enfants conscients, c'est maintenant en fait. C'est maintenant parce que plus tôt ils vont intégrer tous ces mécanismes, ces fonctionnements de responsabilisation, et je vous jure, ça va changer leur vie en fait. Ça va changer la manière dont ils vont vivre leur adolescence. Chaque fois, depuis que je découvre le développement personnel, j'ai découvert assez tardivement, hein, j'avais presque 30 ans, mais je me dis, mais purée, mais si j'avais eu quelques notions quand j'avais 15 ans, ça aurait tout changé. La manière dont j'ai vécu mon adolescence, mes études supérieures, mes choix professionnels, mes choix relationnels, ça aurait tout changé. La signification que je donnais aux événements. Donc, j'ai envie de dire, plus que montrer ce SLM à vos enfants, enseignez-les en fait. Prenez du temps, c'est de se dire, ah bah tiens, une fois par semaine, on regarde pas la télé, mais on discute, on a des débats, on a des échanges où vous utilisez les situations de vie. Oui, mais maman, tu comprends, le plus grand, il m'a tapé, nanani, et vous utilisez ça en fait. Oui, mon chéri, d'accord, tu as été tapé, mais tu es une victime ou tu es quoi? Comment tu peux changer ça? Et vous l'aidez en fait. Et vous le coachez. Moi, je sais qu'on a Sophie qui est experte de la parentalité, qui, je pense, pourra le dire beaucoup mieux que moi. Mais certains d'entre vous, vous voyez comment vos enfants changent, non pas parce qu'ils ont ouvert un livre de développement personnel, mais parce que vous-même, dans votre attitude, dans votre posture, comme vous avez changé, bah, vos enfants, ils font ce que vous faites. Ils font ce que vous faites. Exemple. Alors, voici un exemple. Nous avons un souci dans mon équipe avec notre manager. Il est toujours en coup de vent. Nos réunions sont désorganisées. Réflexe de l'équipe se plaindre. Finalement, j'ai pris le contre-pied en leur faisant remarquer que nous jouions plus le rôle de collaborateur. On a jeté l'éponge et les choses se délitent. Nous pouvons proposer de nouvelles façons de fonctionner. Personne n'avait capté. OK. Donc, vous n'êtes pas obligé de subir, en fait. Et c'est ce qu'on va voir hein, tout à l'heure. Je vais vous donner les 7 étapes et vous allez voir, il n'y a pas de victime sans bourreau. Le jour où vous arrêtez
de jouer la victime, bah, à cet instant précis, le bourreau, il est obligé d'arrêter son jeu parce qu'il y a plus de... Il ne peut pas vous persécuter sans votre consentement inconscient d'être la victime. C'est ça qu'il faut comprendre, en fait. Il n'y a pas de victime sans bourreau, il n'y a pas de bourreau sans victime. Dès l'instant que vous vous posez inconsciemment en victime, vous donnez le pouvoir à quelqu'un de devenir votre bourreau, votre persécuteur. Et inversement, dès l'instant où vous vous posez en bourreau ou en persécuteur, vous donnez l'opportunité à quelqu'un de se poser en victime. Dès l'instant où vous sortez de ce triangle-là, il n'y a plus de triangle. Il n'y a plus de triangle. Ah, mais je suis entièrement d'accord. Quand tu dis apprendre à être 100% responsable de sa vie, ne pas se victimiser, n'est pas inné. Je suis entièrement d'accord. C'est pour ça qu'on fait ce Step Leadership Mastery dessus aujourd'hui, parce que ce n'est pas inné. Et comme je t'ai dit, ça va même à l'opposé de ce qu'on nous apprend. Ça va à l'opposé de l'inconscient collectif. Ça va à l'opposé de la manière dont la société elle-même est structurée et organisée. Mais c'est pour ça que tout le monde n'est pas leader conscient. C'est que tu as cette conscience-là et tout ce que tu vas faire, est-ce que tu vas l'être 100% tous les jours, à chaque instant? Probablement non. Mais maintenant que tu as ces informations-là, quand tu vas voir que tu veux glisser, tu veux aller sur ce terrain glissant, tu seras capable de te rattraper. Et c'est là où tu vas faire la différence, non seulement pour toi, mais également pour les autres. Alors, et donc, regarde encore, mais malheureusement, c'est le système pyramidal de l'entreprise qui veut ça. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On se pose en victime d'un système. Oui, le système fonctionne, mais est-ce que je suis obligée de laisser le système me persécuter, me maltraiter, me malmener? Non. Vous avez le pouvoir de changer, mais comment? Et c'est ça qu'on va voir. C'est ça qu'on va voir. Et c'est pour ça exactement, je suis entièrement d'accord, c'est pour ça que je vous parle de self-leadership, de leadership personnel, d'activer votre puissance personnelle, parce que c'est vous, dès l'instant où vous dites « non, mais moi, je ne joue pas dans ton système où tu me malmènes et tu me maltraites », qu'est-ce qu'il fait? Vous faites preuve d'assertivité, vous vous positionnez et les choses sont obligées de changer. Et c'est comme ça que vous pouvez voir dans une même entreprise, je me rappellerai toujours cette collègue, elle n'arrêtait pas de dire que notre directeur l'a persécutée, elle était malmenée. Je dis, c'est intéressant parce que toi, c'est ta perception des choses, mais moi, c'est pas comme ça que je le vis. Mais bizarrement, c'est une nana qui, dans son job précédent, était encore malmenée par son directeur. Donc, j'ai à un moment donné, le point commun à ces deux personnes qui ne se connaissent pas, c'est toi. Donc, c'est ça, en fait. Donc, la clé, elle est en vous. La solution est en vous. Ce n'est pas le système que vous devez changer. Changez-vous et le système va se changer. Ne serait-ce qu'avec vous. Peut-être que le système va continuer à persécuter, malmener, maltraiter d'autres, mais pas vous. Et si les autres veulent changer, ben, ils n'ont qu'à venir écouter le SLM, c'est tout. On sait tout. Donc, vous voyez comment subtilement cette notion de victimisation, elle est beaucoup plus. Mais c'est parce qu'on n'utilise pas ce terme. Mais vous voyez que le concept qui est derrière, il est là et il est trop. Il est trop présent, en fait. Maintenant que je comprends comment je peux mieux gérer mes relations, mon chef me traite différemment. Ben voilà, ce qu'il fallait démontrer. Je mène de nouveau ma barque dans la direction dans laquelle je veux aller ou à ma manière, même quand l'objectif vient de lui. Jackpot, bingo. Donc vous voyez, quand vous changez, les circonstances autour de vous changent. Vous ne pouvez, une personne ne peut pas continuer de vous traiter comme elle vous a toujours traité si vous changez. C'est la clé. On remplace l'histoire géo par le développement personnel d'LCP. Yes, je suis d'accord. J'en parlais justement, il y a un ami, la semaine dernière, en disant, mais oui, mais on nous fait retenir des dates de guerre, etc., alors qu'il y a tellement de choses qu'il nous faudrait apprendre aujourd'hui. Parce que se rappeler des dates, alors qu'il suffit d'aller sur Google et taper,
ça n'a aucun intérêt d'encombrer notre mémoire. Mais par contre, entraîner nos enfants à toute cette réflexion, c'est autre chose. Donc, gardienne du temps, je surveille. Alors, comment sortir de la victimisation? Mais il y a tellement de débats qu'il faut que je lise quand même. Alors, j'ai commencé à enseigner le développement personnel à mes élèves à la place des cours de commerce, de gestion, de vente, d'économie, droit, tous mes cours. Donc, ce qui est intéressant, c'est pas peut-être parce que bon, si les gens viennent vers toi pour apprendre la gestion, la vente et tout, c'est plutôt de dire comment tu mets du développement personnel dedans, comment tu les aides, comment tu utilises ces thématiques pour en faire des outils de développement personnel. Et ça va faire toute la différence, en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est comme ça qu'on va vraiment changer toutes les choses. Ah bah oui, et tu ne peux pas prendre la responsabilité du positionnement de la victime de l'autre. Ah, ça, tout à fait. J'ai été remerciée encore par mon chef pour avoir bousculé mon équipe pour avancer les dossiers 2017 parce que moi j'avais fait ma part. Ce lundi, du coup, on est passé à l'étape suivante. Donc, vous voyez comment vous avez comment dire, un vrai impact dans vos organisations. Mais c'est ça qui est fabuleux. C'est que vous pouvez rester à votre job, mais juste parce que vous êtes dans une nouvelle dynamique, dans une nouvelle énergie, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez entraîner les autres avec vous. Parce que vous savez quoi? À un moment donné, la personne qui est la plus motivée pour avancer, elle va vous suivre. Elle va vous suivre. Parce que quelque part, inconsciemment, on a tous envie d'avancement. Personne n'a envie de la stagnation, du statu quo. On veut tous avancer. Et donc, parfois, on a juste besoin qu'il y ait deux, trois leaders qui se révèlent, qui nous donnent l'impulsion pour suivre le mouvement. Et vos histoires là que vous êtes en train d'écrire, c'est juste phénoménal. C'est juste phénoménal. Regardez, juste quelques self leadership mastery et vous devenez bah, des intrapreneurs. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est vous êtes intrapreneur. Vous avez ce mindset de l'entrepreneur leader en entreprise. Et ça fait toute la différence. Donc, étape numéro 3, comment sortir de la victimisation? Étape numéro 1, reconnaître à chaque fois qu'on se pose en victime de quelqu'un ou des circonstances. C'est à vous de reconnaître ça. Quand vous dites, oh là là, je suis victime du temps, je suis victime des hommes, je suis victime de la discrimination, je suis victime de la maladie, je suis victime du karma, reconnaissez tout de suite. Chaque fois que vous vous mettez dans cette direction-là, c'est ça le plus première étape, c'est conscientiser cette étape-là. Ensuite, refuser cette énergie. Refuser parce que quand on se pose en victime de quelque chose ou de quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Ça vient avec une énergie. Une des questions qui m'avait été posée, c'était comment sortir de la peur de la réussite? Et donc là, je ne vais pas en parler aujourd'hui. C'est le SLM 49 qui était totalement dédié à ça. Donc, je vous encourage à le réécouter. Mais si vous avez des énergies d'impuissance, de fatalité, de passivité, de je subis, de victime, est-ce que vous pensez vraiment que vous allez pouvoir réussir? Parce qu'une victime, elle va avoir peur de réussir. Parce qu'une victime, si elle réussit, elle ne va plus avoir, elle n'aura pas de sauveur. Les personnes qui réussissent, ce ne sont pas des personnes qui ont été sauvées. Ce sont des personnes qui se sont prises en main, qui sont devenues responsables d'elles-mêmes. Donc, vous voyez que c'est paradoxal. Et quand on a peur de réussir aussi, c'est que quelque part en nous, on sait qu'il y a cette partie de nous qu'on a victimisée inconsciemment, qu'on doit lâcher. On doit sortir de ce désir d'avoir un sauveur. Et vraiment, je vous encourage à réécouter les 7 pépites de leadership. C'est un cours que j'ai fait. Si vous rejoignez le mastermind, vous allez l'écouter. Sortez de cette illusion de vouloir être sauvé. Donc, refusez cette énergie de la victime. Ensuite, étape numéro 3, reformuler le propos. C'est vraiment ça, c'est de rester factuel sur les choses. Imaginez le cas d'une femme qui dit, bon, ben voilà, je n'ai pas été nommée membre du COMEX parce que je suis une femme, je suis victime de discrimination liée à mon genre. D'accord? Donc, soit elle peut jouer le rôle de la victime,
où elle peut se poser la question, OK, mais quel est le message de cette situation? OK, on ne m'a pas promue, a priori parce que je suis une femme. C'est quoi le message derrière? Vous voulez vraiment reformuler les propos. Au lieu de dire, oh, mais je n'ai pas été promue parce que je suis une femme ou parce que je suis noire ou ceci, cela. Non, ça ne vous aide pas. Ça vous met dans une énergie. Et rappelez-vous, hein, la loi de l'attraction, c'est quoi? C'est que quand vous êtes dans une énergie, vous allez attirer les énergies similaires qui sont autour de vous. Donc, dès l'instant que vous vous mettez dans l'énergie de la victime, impuissance, fatalité, désir de trouver un coupable, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez attirer à vous d'autres victimes, vous allez attirer d'autres situations à vous qui vont vous renforcer dans cette posture de victime. Donc non, on sort de ça. Étape numéro 4, identifier les parties. Donc si vous voyez, parce que c'est ça en fait, quand vous identifiez qui joue quel rôle. OK, si je suis là, je suis cette femme à qui on reçoit la promotion, elle se pose en victime. Donc, c'est qui le bourreau? C'est qui le persécuteur? Ah, ben, c'est ce groupe d'hommes qui ne veut pas voir de femmes dans ce comité. Et donc, qui va jouer le rôle de sauveur? Ben, c'est toutes les lois qu'on va vouloir utiliser pour favoriser l'égalité en entreprise. Vous devez identifier qui joue quel rôle. Attention, ça ne veut pas dire que c'est pas bon d'avoir ce genre de loi ou quoi, mais là, moi, je parle de vous en termes de leadership personnel et d'impact personnel et de puissance personnelle. Vous voulez pas être dans ce triangle-là. Mais quand vous reconnaissez les différentes parties, les différents points de ce triangle, ça sera beaucoup plus facile pour vous d'en sortir. Parce que maintenant, vous avez clairement identifié la personne qui joue le rôle de bourreau, de persécuteur, et vous avez clairement identifié la personne, l'événement ou la chose qui va jouer le rôle de sauveur. Moi, ce que je dis aux gens, je suis coach, je ne suis pas votre sauveuse. Si vous me voyez comme votre sauveur, vous n'allez jamais réussir. Parce que vous allez être dépendante. Et notre relation de coaching ne va pas vous aider, en fait. Une formation n'est pas là pour vous sauver. Je suis là pour vous donner des clés. Et ce qui s'est passé, donc j'ai une cliente. Bon, j'ai constaté qu'elle n'était pas très assidue et tout. Je lui pose la question, je lui propose d'en discuter. Bon, finalement, elle n'a pas fait signe de vie. Donc, on ne s'est pas parlé. Moi, je l'ai laissé avancer. Et donc, hier, elle me dit, elle s'est débrouillée, quoi. Grâce au mastermind, grâce au Self Leadership Mastery, elle a trouvé les réponses et elle a avancé. Et j'étais là, bingo, elle n'avait pas besoin de moi. D'accord? Donc oui, bien évidemment, je vais toujours vous proposer mon aide. Mais ce qui était important, c'est que là, elle est passée à un niveau supérieur. Elle est capable maintenant de se connecter à la bonne fréquence. OK, tiens, j'ai un problème. Mais je sais que la solution va venir à moi. Est-ce que moi, j'ai fait, quand j'ai créé le Self Leadership Mastery, est-ce que je connaissais sa problématique? Non. Mais bizarrement, par contre, je me connecte sur la fréquence de, voilà, de quoi ils ont besoin aujourd'hui pour avancer. Et c'est comme ça que je suis capable de vous partager des petites pépites, mais c'est juste que c'est la loi, c'est la synchronicité en fait. Parce que vous étiez à la bonne fréquence, je me suis calée aussi à la bonne fréquence et on se retrouve. Et parce que vous êtes présent, parce que vous êtes conscient, vous êtes capable de reconnaître que ce que j'ai dit, c'est la solution à votre problème et vous intégrez ça dans votre mécanique de succès. Et ça fait toute la différence. Et pour moi, c'est ça la clé de développer son leadership personnel. C'est être capable de trouver la solution par vous-même. Bien évidemment, voilà, toute cette semaine et tout, j'ai ce truc chronique qui revient, etc. Donc, je me suis dit, bon, Farida, il faut que tu le prennes par un angle. Tu l'as fait de cette manière, de cette manière. Bon, il y a encore d'autres choses. Et boum! En un week-end, j'ai plein de solutions. Mon intuition, c'est comme si j'étais présente, j'étais consciente et les idées me venaient. OK, quel livre lire, quelles informations chercher, etc. Et j'ai pris conscience qu'il y avait des choses internes à moi que je devais traiter. Donc oui, on peut traiter les éléments externes, mais aussi internes à moi auxquels je n'avais pas pensé ou que je n'avais jamais approfondi. Bien évidemment, quand j'ai travaillé avec mon coach, ça m'a fait faire un pas de géant. Mais maintenant, juste avec ce qu'on a fait, je peux continuer toute seule. Et c'est tout le concept des Self Leadership Mastery. Ne voyez pas ça, le coaching, le développement personnel, comme des béquilles. C'est juste là pour vous aider à créer votre dynamique.
Et là, je vous assure, quels que soient les challenges que vous allez rencontrer, vous saurez déjà comment faire ce petit pas. Est-ce que vous allez avoir besoin d'aide? Oui, probablement. Mais vous serez déjà capable d'avancer. Vous n'avez pas besoin de rester dans la souffrance inutile. Et c'est ça en fait, c'est que la victime, elle se roule dans sa souffrance. Non, on peut avoir des choses désagréables qui nous soient arrivées, des injustices qu'on a subies, mais on ne reste pas dans la souffrance. Et tout de suite, on peut se prendre en main. Et donc pour ça, étape numéro 4, identifier les parties en jeu. Et comme ça, étape numéro 5, vous sortez du jeu. Parce que quand vous arrêtez d'être la victime, le bourreau, il est obligé de s'arrêter. Il est obligé. Si vous n'émanez pas la vibration de la victime, vous n'allez pas attirer la vibration des bourreaux, en fait. C'est pour ça quand ils disent, regardez un peu les séries policières, etc., qu'est-ce qu'ils disent? Ben voilà, quand on fait le profil psychologique des psychopathes, ils se focalisent sur certains types de personnes. Mais finalement, c'est quoi? Ce sont certaines personnes avec une certaine vibration, une énergie qui après va se manifester dans la posture, le comportement, et donc ces personnes vont s'attaquer plus facilement. Regardez les prédateurs dans la nature. D'accord? Un lion, qu'est-ce qu'il voit? Il va voir sa proie, il va l'étudier en fait, il va voir laquelle est plus faible et va se focaliser dessus. Parce que quand vous jouez le rôle du faible, qu'est-ce qui se passe? Bah, vous, quelque part, vous êtes en proie à attirer des prédateurs. Donc, tout commence par vous. Quand vous sortez du jeu, il n'y a plus de jeu. Il n'y a plus de bourreau, il n'y a plus de persécuteur et il n'y a plus de sauveur. Et vous avancez. Étape numéro 6, maintenant que vous êtes sorti du jeu, il ne suffit pas juste de sortir, c'est reprendre votre pouvoir. Donc, c'est vraiment identifier ce que vous pouvez faire malgré les circonstances. OK. Tu n'as pas eu cette promotion, soi-disant parce que tu es une femme et qu'il y a eu de la discrimination. Qu'est-ce que tu peux faire par rapport à ça? Est-ce que tu dois changer d'environnement? Est-ce que tu dois faire les choses différemment? Est-ce que peut-être tu dois communiquer différemment pour leur montrer quelle est la valeur ajoutée que tu vas apporter? Donc, au lieu de se rouler dans la farine de la souffrance, c'est plutôt se dire comment je peux faire les choses différemment, comment je me prends en main pour faire les choses différemment. Parce que si vous continuez de faire ce que vous avez toujours fait, vous allez continuer d'avoir ce que vous avez toujours eu. Et étape numéro 7, redonner un nouveau sens à tout ce qui vous arrive. Je pense que le meilleur moyen de sortir de la victimisation, c'est de donner un nouveau sens, un sens beaucoup plus élevé que ça. Je peux dire, ouais, oh, vous pouvez me dire, oh là là, pauvre Farida, elle est encore là avec ses lunettes et tout, elle a encore ce truc qui vient à chaque fois. Non! Ça, c'est le truc de la victime, je ne suis pas une victime. Moi, je suis en train de dire, ok, les amis, waouh, mais ce qui m'arrive, ça m'a fait faire tellement des bonds dans ma prise de conscience que, waouh! Je vais être meilleur coach. Les prochains Self-Leadership Mastery vont être encore plus puissants. Les Lily Days, parce que ça m'a permis de prendre conscience de certaines choses. Ça m'a permis de me défaire de tout mon bagage émotionnel, karmique, générationnel. Et je me dis, mais waouh! Mais en fait, combien d'éléments on intègre en nous qui nous bloquent, qui nous bloquent qui nous bloque dans notre réalisation. Il faut comprendre que si aujourd'hui il y a des objectifs que vous êtes fixés, que vous n'arrivez pas à atteindre depuis des mois, depuis des années, peut-être des décennies, c'est qu'il y a des choses que vous n'avez pas maîtrisées en fait. Et moi, vivre ça, aussi pénible soit-il et douloureux, ben, ça m'a permis de prendre conscience, de vraiment de m'intéresser à deux disciplines auxquelles je n'aurais pas forcément imaginé, mais de découvrir d'autres dimensions de moi-même. Et quand je découvre d'autres dimensions de moi-même, je peux encore plus facilement et encore plus rapidement activer ma puissance. Et c'est juste génial. Donc, quel est le sens, quel nouveau sens vous pouvez donner? Cette femme qui est victime de discrimination, elle peut transformer ça. Elle peut transformer son histoire. Au lieu de montrer une histoire de victime d'impuissance, elle peut avoir une histoire d'empowerment.
Ok, voilà comment on fait en fait, comment on arrive à aller au-delà des apparences, comment on arrive à convaincre une population d'hommes qui n'ont pas l'habitude, des hommes qui ont peur des femmes, d'accepter en fait. Et donc on change la narration, on change le discours, on change l'histoire. Donc ça va être ma quote, ne soyez plus une victime, devenez victorieuse. Ne soyez plus une victime, devenez victorieuse. Ça marche? Des questions? On retrouve la problématique de la peur du changement, mais et ça commence en nous, en fait. Ça commence en nous. Et c'est ça toute la différence. Donc, vous voyez que sortir de la victimisation, ce n'est pas changer les circonstances, ce n'est pas nier les circonstances, c'est juste dire, OK, mais je ne veux pas être dans cette énergie-là, en fait. Comment je fais pour en sortir? Et ça commence par soi. Quel regard on pose sur les choses? Quelle histoire on raconte par rapport à ça? Et ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. D'accord? Donc, ben voilà, je pense que vous avez de quoi faire, de quoi vous partager. On est fort conditionné dès notre vie intra-utérine et ça remonte beaucoup, beaucoup plus loin. Et je pense que c'est quelque chose aussi qu'on va aborder justement à la rentrée quand on va faire Laisse rayonner ta conscience, de se dire comment on prend conscience de ça, comment vous-même. Vous pouvez faire ce propre cheminement, en fait, et d'identifier tous ces nœuds et de vous dénouer. Et de vous dénouer. Donc, étape numéro 1, prenez 3 minutes pour faire le sondage juste après le SLM, d'accord? Étape numéro 2, si ça vous a plu, bah allez sur ma page Facebook et mettez des recommandations. Et même si vous en avez mis précédemment sur les précédents SLM, chaque SLM est nouveau. Donc, voilà, partagez voilà, votre feedback sur le SLM d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était le SLM 2.7, d'accord? Saison numéro 2, épisode 7. Partagez-moi en fait, parce que ça me permet aussi de voir, mais ça permet aussi aux autres de savoir comment vous l'avez vécu, quelles sont les pépites que vous avez retenues. Si vous avez mis en application que vous avez eu des résultats positifs, bah, partagez-nous aussi. Comme ça, voilà, ça nous permet d'avancer. Et donc, je vous donne rendez-vous donc mercredi prochain, 18h45 de Paris. Donc, bon, j'aurais pu faire 19h, mais voilà, je reste sur le 18h45, comme ça, c'est facile pour tout le monde. En fait, pour moi, ça ne change pas. C'est toujours 12h45. C'est pour vous que ça change juste pendant 5 semaines. Et voilà, bah, comme toujours, si vous avez des questions, vous me les envoyez. Donc, ce que je vais faire, c'est que sur mon site, parce que du coup, voilà, on a vu énormément de thèmes. Hein, aujourd'hui, c'est le 59e épisode. Donc, ce que je vais faire dans les prochains jours, de toute façon, je vous l'annoncerai, je vais mettre tous les titres qu'on a vus comme ça. Quand vous avez des thématiques, allez voir si ça a déjà été traité. Comme ça, vous pouvez réécouter le Self Leadership Mastery. Et si ça n'a pas été traité, ben vous posez la question et comme ça, je pourrai le traiter la prochaine fois. OK? C'était top. Mais en tout cas, ben vraiment, merci pour les débats. C'était fort intéressant ben voilà, de partager cette thématique. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À très bientôt. Bye bye.